Bonjour VOD1. On est après les ruines d'Azamalula. Azula. Faramazula. Ouais, c'est ça. On a vaincu la bête bizarre. Malakis au bonnet de brebis. Et maintenant, on est sur de la dévastation. Bon, pas pire que d'habitude, mais peut-être un petit peu quand même. Je voudrais juste. Allez où ma... Oh, ça m'énerve de chercher mes scènes tout le temps. Ah! Juste qu'on profite de cet instant. Il y a aussi un petit freeze hein, sur Elden, mais bon. Peut-être que quand j'aurai ma nouvelle caméra, il n'y aura plus ça. Ok. En vrai, ça me sert pour mes miniatures. Farou Mazula. Ah, j'étais pas loin. Ah, c'est toi, merci. Là, je sais même pas où je suis. On va regarder sur la map tout de suite. Eh ben, je suis dans la citadelle. Ça s'appelle déjà ici, c'est la citadelle, c'est ça? Non, c'est l'arbre machin. L'arbre monde, genre. De Farou Mazula. Je le mets dans le titre parce que du coup, il y a deux fois ces trucs-là. C'est bien ça, on est bien à l'arbre monde. Hein. On a Altus. On a Altus. Moi, je vous fais confiance, j'ai jamais les noms. C'est Zulbazi. Altus, alors. Château d'Altus, c'est peut-être ça. Je le mets dans le titre parce que j'ai pas du tout envie que les gens se spoilent du Elden sans le vouloir, en voulant juste voir un petit peu de gameplay pour dire en mode de, ouais, est-ce que je m'achète le jeu ou pas? Je vais regarder quelqu'un y jouer. Et paf, t'arrives à la fin du jeu. Bon, ça fout les boules. Tu parles combien de langues? Ça dépend, faire des accents, ça compte? Admirez l'arbre monde qui malgré tout subsiste, majestueux et inflexible. Il n'a cure des brûlures de la flamme de la ruine. Alors nous sommes encore bénis par l'or. Ouais non c'est ça hein. Je mets un remonte moi. Au cas où. Désolé hein, je refais mon titre 15 fois après c'est bon. Ok. Voilà, voilà, voilà. Et pas confiance au chat quoi. Mais oui. L'arbre monde au moins on est sûr. Il y a plein de gens comme moi qui savent plus. Moi j'étais pas faire partie. J'étais partie faire la vaisselle et faire pipi. Pas faire pipi dans la vaisselle en terrain. Non mais je me dis l'arbre monde on sait plus de quoi je parle dans le titre tu vois. Salut couille tendu. De soutien du soir. Bah merci, c'est sympa. Merci beaucoup pour le soutien, des bisous. Et soutien à toi aussi, pour tout ce que tu entreprends. Oh là là, c'est tout niqué. J'entends de faire Malenia. On va continuer un peu ici, on va visiter.
On a sûrement d'autres boss, non? On a sûrement des gens qui vont nous péter la gueule parce qu'on a... Bah, parce qu'on a un peu brûlé leur monde. C'est les ruines d'Altus. Après que Farou Mazula se soit écrasé dessus. Ah, Farou Mazula s'est écrasé dessus. Oh, d'accord, merci. J'ai pas compris ça comme ça, moi. Donc faut que je mette ruine d'Altus. Ouais, tous Naruto's Maki. D'accord. Ah oui, c'est pour ça le dragon là, il est tout effondré. Attendez, je vais mettre ma monture. Attendez, je peux pas mettre ma monture. Oh là, qu'est-ce que c'est ? Je vais aller hein. J'ai que 70 000 runes, ça va. C'est chaud ça, hein? Oh, je me rappelle de cet endroit, c'était chiant! Oh non, vous étiez chiant, vous! Les sacs à PV là que c'était! Ah non, en plus, ils envoient ça là! Bon, ça date un peu et maintenant j'ai un petit peu quand même de points, donc ça va mieux, mais... Est-ce que ça vaut le coup de refaire les runes en vrai? Oh non, c'est bon, j'ai déjà fait de fond en comble, de long en large, des en travers. Juste voir ici s'il y a des trucs nouveaux. Pour le potion. Là-bas. Toi, t'es zéro nouveau, toi. En plus, tu fais n'importe quoi. Oh, je rigolais. Bon, je vais pas retourner. Truc important que t'as sûrement pas trouvé bien caché. Oui, bah important. Hein. Moi, je les avais beaucoup fouillés avec les conseils du chat. Du coup, en vrai... En vrai, je suis morte. Pas de backseat? Si, ça va. Après, backseat, c'est différent. Backseat, c'est donner des conseils. Spoil, c'est dire... tel endroit, t'as ça, ça fait ça. Pas pareil. Mais c'est vrai que bon, je le mets plus dans le titre, parce que ça fait longtemps que je poste du Elden et je fais pas gaffe. Mais en vrai, sur Elden, on me spoil et on me backseat de fou. Et c'est si je le veux bien. Parce qu'un jeu comme ça... Tu passes à côté de beaucoup trop de choses si on ne te conseille pas. Et l'avantage de se conseiller avec le chat et pas avec des solutions, des astuces, c'est qu'une solution, elle te dit absolument tout. Le chat, il peut te dire simplement « Ah bah là, t'as un truc sympa, tu devrais y aller. » Voilà. Mais j'avoue, je vous l'ai pas dit, Emodo, c'est normal, ça a dû sa main. Oh là, ça fait trop de bruit pour moi, vous trouvez pas? Yorubik hein. Bonne grisou. Les zoubis hein. Je connais pas les mots d'eau, mais si, mais c'est qu'en fait, avant, je leur disais, et puis je fais une longue pause d'Elden, et voilà, j'ai oublié de repréciser que bon, en vrai... Un jeu comme ça, sans aide, sans guide, je trouve pas les quêtes, c'est les fins potentielles. Bah moi, oui, il y a plein de quêtes que je n'avais pas du tout, hein.
Il me saoule, lui. Je vais le tuer juste par principe. S'il me tue pas avant. J'ai plus de mana, fais chier. Voilà. Mais en vrai, je vais remonter. Je sais plus où était le TP, c'est pas grave. Vision est spellé comme un bâtard sur Alden. Oulala, on se calme par contre avec les mots. Et le spoil sans faire exprès, ça arrive. C'est chiant, mais ça arrive. Je te permets pas d'insulter Vision pour ça, honnêtement. Je sais pas comment monter. Hein. On doit être là. Très très froid, normal, mais moi aussi. Oh. Il était où le TP? C'est celui-là? C'était celui-là. Ah mais je suis à Lendel. Ah bah non, mais c'est la capitale. Attendez. Mais je suis où, là? Capitale des cendres. Je vais mettre ça dans le titre. Je vais y arriver. Capitale des cendres ou en cendres? Il y a deux ailes à Lendel. Descendre, dreux, j'ai écrit. Ok, c'est bon. J'arrête pas de boire des trucs chauds pour compenser. Ce qui peut être pas mal aussi. Quand tu chill sur ton PC parce que ça consomme pas tant que ça par rapport à un chauffage, franchement, vraiment. Et puis bah en plus tu me dis t'as pas de chauffage. C'est les couvertures chauffantes. C'est pas voilà, c'est un petit investissement, mais c'est pas ultra cher en vrai. Ça dépend après de ce que tu prends. Ça se lave, j'ai testé, j'en ai une. Je l'avais, après elle refonctionnait. J'ai juste attendu 2 jours qu'elle sèche bien avant de la réutiliser. Et ça réchauffe vachement vite. Monter les échelles à l'envers comme ça. Et non mais j'avais pas d'échelle là. Bon bah faut que je visite hein. Allez. Ah il me faut des mitaines aussi. Oh, ça j'en ai pas, il m'en faut. Allez, je me redresse un peu. On va fouiller un petit peu cette capitale des cendres. Et on va voir ce qu'il y a de nouveau. Honnêtement, les égouts, je les avais fait un peu sous des conseils. Donc je pense que j'avais... Mais ça fait tellement longtemps, je sais même plus ce que j'y avais découvert. On avait une quête et tout, ça en avait tout fait. Il y avait sûrement un autre truc aussi. Il y avait aussi une salle où je savais pas quoi y foutre. Je sais plus où elle était. Mais de toute façon, je referai sûrement le jeu. Donc c'est pas grave. Je me dis franchement, c'est pas grave. Il y a des trucs que j'ai manqué. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai manqué dans cette partie. Parce qu'on se refera sûrement une partie à 2 jours avec mon frère et ce sera sympa. Lui, il a trop envie d'y rejouer. Moi, je ferai un autre build. Un truc un peu moins statique. Et sinon, ton mal de dos. Non mais c'est vrai, regarde, je suis comme ça tout le temps. Faut que j'arrête. Faut que je mette comme ça. Ça c'est un boss ça. C'est un boss ça, on est d'accord hein. Au
Oui, c'est ça. Bah, c'est ce que beaucoup font, Féline, c'est des petits radiateurs. C'est ce qu'il y a chez mon père aussi, parce que bah, le chauffage, il est géré par la société qui est propriétaire. Et du coup, bah, avant une certaine date, ils mettent pas le chauffage. Et quand ils mettent, parfois, c'est pas suffisant. Ah. Du coup... To stand before the Elden Ring, ou tenir devant le cercle d'Eden, donner la dame de l'Eden. What a sad state of affairs. Situation désastreuse. Votre détermination vous fait honneur, mais hélas, nul ne montera sur le trône. La reine Malika, ah, j'ai pas le temps. Ah oui, d'accord, tu veux me buter. Ah, bâtard. Sans éclat ne peut devenir un seigneur, même vous. Excusez-moi, je galère avec mes sons. Un mortel ne peut tuer un dieu. Trop tard. Oh, omniscient, tu parles. Ok. Bon, j'étais peut-être censé faire cette zone plus tôt, vu que comme c'était facile, mais c'était un petit boss. Un semi-boss, je dirais. Alors, conseil de ceux qui ont peut-être fini le jeu, en tout cas qui ont beaucoup avancé, est-ce que si je fais cette zone, je risque d'avoir un truc qui me dira que je peux pas revenir en arrière, genre si je veux faire Malenia. Est-ce que le jeu me préviendra en me disant vous pourrez pas revenir en arrière? Je pense que oui, mais je demande au cas où. Ou est-ce que vaut mieux faire... Je sais pas. Je pense que... J'imagine que le jeu prévient. Il me dit si je peux pas revenir en arrière, mais voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est que tous ces énormes textes là? Faut que je fuis comme ma peste. Ah ouais? Pourquoi c'est pas bien? Je sais pas. Hein. Ah ouais, ok. Je peux bien avancer encore, moi ça va, merci. Oui, bon, Sam, c'est ce qu'il nous avait déjà dit hier. Et on va tour pour vous. D'accord, on a la tirade de la Team Rocket par Pook. Il est de retour, notre Seigneur est enfin revenu. Le premier des seigneurs brandira à nouveau le cercle d'Elden. Oui, je suis là. Ah, je me rappelle de ça, j'étais montée jusque là et tout, il se passait des trucs, c'était chiant un petit peu, je me rappelle. Je me rappelle très bien d'ici, ça n'a pas beaucoup changé. Du coup, je voulais pas descendre, mais bon. Un peu la flemme de tout revisiter, j'avoue. Mais je vais voir. Oh, ça va, tant mieux. Parce que bon, j'ai l'impression que là, il se passe des trucs assez définitifs. C'est pour ça que je préfère être sûr que j'entame pas un truc qui m'empêche après de faire d'autres choses pour le moment, quoi. Qu'est-ce que vous avez à chanter dans le chat ou à faire la tirade de la Team Rocket? Ah là, il y avait un truc sur lui, je m'en rappelle. Bon, bah ici j'ai l'impression que à part ce monsieur, bon, je peux visiter un peu, hein, mais à part ce monsieur, pas grand chose. Je vais enlever mon point là qui me gêne. J'avais mis un point je sais pas où. Oh, je sais plus où il était dans le coin je crois. C'est pas le point qui était là? Non.
Voilà. Peut-être que j'aille là-bas aussi. J'ai gagné des runes ? Ah bah oui ! Bah je... faut peut-être que je me dépêche de les dépenser. Cherche quoi pour être revenu en arrière comme ça ? Mais je suis pas du tout en arrière en fait, justement. C'est le jeu où... c'est là où le jeu il m'a emmené. Je cherche rien, j'attends de voir ce qui a changé ici. Voilà. Au moins, même si je pars mes runes, je suis un peu plus rassurée. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais c'était pas comme ça avant ici en fait. Genre. Genre tu vois, c'était pas. C'est pas genre détruit à la base cette. Cette cité. Du coup, bah là je suis allée jusque-là, il y avait un boss. Que je fis. Je fis le boss. Non, je vais descendre. Je vais voir ce qui a changé ailleurs. Ça a un peu changé en fait. C'est pas... voilà. Un petit peu changé la cité. Un petit peu. Ça fait beaucoup de sable quand la, l'autre île s'est écrasée dessus. Ça fait beaucoup de sable partout. Oh mais du loot. Du coup, vu que c'est toujours considéré comme une ville, je peux pas utiliser ma monture, quoi. Chiant. Alors, il y a l'autre qui s'est mis à travers de mon chemin. Faut peut-être ouais, que je remonte un peu par là, vers l'arbre, en fait. Hein. Je pense que ça va être ça. Hein. Ça va être ça. Hein. Mais du coup, vu que je connais pas la ville, je sais pas dans quelle direction il faut que j'aille. Mais je pense qu'on va faire ça. Ah, attendez, ici, je suis pas allée. Je suis pas allée, on ne sait jamais. Voilà, des petits trucs comme ça. Tournesol doré terni. Je crois que je lui ai déjà parlé au bro là. J'aimerais bien voir si autour du dragon il y a des... Je me suis trompée. Si autour du dragon il y a des trucs. Je vais pas utiliser ma monture, mais ça aurait été trop bien ici. Hein. Est-ce qu'on peut monter sur le dragon ? Non, non, je suis pas en charge lourde, hein. Franchement, elles sont pas comme ça en charge lourde, hein. C'est juste que vous faites du body shaming, c'est tout. Je dis ça parce qu'on me l'a déjà dit, ça, tout à l'heure. Vous voulez que je me mette en charge lourde pour voir la différence? Mettre en charge lourde. Ah, je suis toujours en charge moyenne. J'aurais pas pu faire le combat de tout à l'heure. Ça aurait été compliqué. Je suis en charge moyenne après, hein. Je suis pas en charge légère. Bon, peut-être que si vous avez eu l'habitude de faire le jeu en charge légère, ça vous fait bizarre. Mais je suis en moyenne, je suis en moyenne. Je vais remettre mes gains d'à 20. Mes sont beaux. Ils me donnent un peu de bonus de magie. Je prends. Ça, bon, j'avais mis ce Darlequin juste pour le style, mais en vrai, peut-être mettre autre chose. J'avoue, le côté harlequin, j'aime beaucoup. Ils donnent un bonus, eux ? Non, pas du tout, hein. C'est vraiment pour le swag que je mets. Parce qu'ils sont vraiment magnifiques. On va le mettre. Ah, ceux-là, ils ont l'air bien. Je suis en charge moyenne, toujours.
dans Charlemagne avec ça? Ah, ça me protège un peu plus. Entre moi et Néger, pas de diff. Ah ouais, ah, je pensais que t'étais peut-être un peu plus rapide ou je ne sais quoi. C'est fait dans la mer Bouboule, mais c'est ça, vous body shamez là. Ça dégoûte. Sous prétexte qu'on a du bidon, on peut pas être agile et souple. Dites pas ça à Jack Black, hein. Ou démonte, hein. Je revisite un petit peu ce que je peux, mais c'est peut-être pas nécessaire, hein. J'avoue que j'ai un peu la... Oh, je me dis bien, j'entends des boum boum boum. Ah, va dire lui, hein. Est-ce que j'ai un feu dans le coin? Pas trop trop. Ici, il y avait un truc. Ici, je crois. Il y avait un dans le coin. Ah non, pas du tout. Ah oui, non, bah non. Pourquoi je repopais ici? Je sais plus quand, quand je faisais un truc. Ah, mais il va jusque là-bas. Oh, je peux peut-être me trouver un... Comme c'est les catacombes, ça m'emmerde. On va voir. Je vais peut-être en retrouver un. Je vais fouiller, je vais peut-être en trouver un nouveau que j'avais pas trouvé avant. Le cipo, ça. Je l'attaque d'ici comme une lâche. Je les connais, je les connais. Oula, tu fais le foufou là. Je vais dire l'histoire avant de couper le live. Quelle histoire? J'avais commencé une histoire, je m'en rappelle déjà pas. Ah non, une histoire. Pardon, j'ai mal lu. J'ai vu Dira au lieu de Lira. Du coup, tu nous diras une histoire, genre en mode tu finisses ton histoire. Non mais ça va en fait. En fait, c'est ok. Il est grand, mais ça va. Lire une histoire avant de couper de live, je sais pas, je sais pas. Hein, je pense pas trop. Je pense pas, hein. Ouais, bon là, j'avoue, je joue en mode facile. Là, j'ai pas de... J'ai pas trop de race, là, j'avoue. Mais je l'assume parfaitement. C'est-à-dire que ça ne m'a pas dérangé du tout. Vous me dites si le bruit comme ça est trop fort pour vous. Je pense qu'il est vachement fort. Je peux baisser, hein. Pour moi, il est un peu fort, je vais le baisser. En vrai, je vois si je peux baisser le son des effets. Je m'en redresse. Non, on peut pas trop. Ah si. J'ai pas sauvegardé, je crois. Voilà, c'est un peu mieux quand même. Du coup, cette gargouille ici, ok, c'est très bien. Ah, oh, c'est les pattes du dragon. Et je pensais que ça voulait dire qu'il se passait un truc, mais j'ai pas l'impression. Je vais voir si je peux monter via les patounes. Petit ours brun. Petit ours brun, ouais. On n'a pas plus moderne maintenant, en vrai. Bon, tandis que ça parle chauffage et climatisation dans le chat. Climatisation et aération.
J'avoue, je vois bien que vous discutez entre vous, du coup, je lis pas les... La conf, vraiment. Je vois juste un peu... de quoi vous parlez. N'hésitez pas à mal paguer si y a un truc qui est censé... que je suis censé voir. Sinon, je vous laisse à votre conversation. Enfin, pour pas qu'on me dise, ouais, tu lis pas le chat, quoi. Là, j'ai fait exprès. Je fais exprès de sauter aussi, là. Là, je fais exprès, là. C'est pour voir, parce qu'il y a des nouveautés. Ah, mais certains sont trop loin! Elles sont où? Elles sont indiquées sur un map ou pas? Je sais même plus. Oui. Oh! Comment j'y vais? Oui, j'y vais, c'est les 80 000 quand même. 80 000, ça commence à être une petite somme, quoi. En dessous de 50 000, je m'en fous un peu. À 50 000, je me dis, bon, on va essayer. 80 000, là, on dit, on va vraiment essayer. Après, au-delà de 100 000, je me dis, bon! Là, en fait, c'est mon objectif premier avant tout. Ne pense pas que ton perso est froid. Non, le bidou lui permet de stocker la chaleur. Parce que la chaleur de son corps, au niveau du torse, la chaleur du corps est forte. C'est là où ça chauffe pas mal. Et ben, la chaleur du corps du torse chauffe tout l'habitacle, qui après se répartit dans le dos et les bras, jusqu'à même un petit bout de jambe et un petit bout de boule. Ainsi, mon personnage a une sorte d'aura de chaleur. Chaleur tournante, un peu, hein. Qui n'est pas dénué pourtant d'aération. Grâce justement au bas, là, au niveau de là. Où ça aère un peu au niveau de la jupette, là. Jupette qui, elle, sert de filtre au sable et aux saletés. Lorsqu'on court, vous voyez, il y a du sable, des saletés, là on voit, il y a beaucoup de sable. Et ben vous voyez la petite jupette là, elle permet de filtrer ça pour pas que ça rentre à l'intérieur de l'armure, tout simplement. Donc on est sur un système plutôt bien pensé. Et est-ce que c'est très malin de passer par là? Je sais pas. Mais quelque chose me dit que non. Oh, pas les fleurs, hein. Oh, les fleurs, elles me gonflent. Mais je vais pas pouvoir accéder au truc là. Ouais, là je suis trop basse ici. Bon, je vais passer par là, on va voir. Wouah! La rune de restauration de l'ordre suprême. J'ai aucune idée de ce que ça fait, mais ça a l'air stylé. Il est mort. Il est mort, monsieur Tête de Soleil. En regardant l'arbre cramé. Bon, bah, j'ai bien fait d'aller ici quand même. Je me TP là. Non, je me TP là. Un petit peu là. Rune de restauration de l'arbre machin. Rune de restauration suprême, c'est ça? Du coup, ça veut dire que ça peut. Je sais pas. En vrai, cette rune, ce qui pourrait être intéressant, c'est que au moment où tu la chopes, tu la gardes. Et genre, en la prenant, ça te donne, tu la gardes pas, et en la prenant, ça te donne l'équivalent du nombre de niveaux que t'as actuellement. Genre restauration, c'est ça, restaure tes niveaux. Je sais pas. Non, je sais pas, j'ai un feeling là. Un feeling. C'est par là, hein. Comment tu fais par là? Bah, en allant à gauche, Lox. Bah oui, hein. Ah bah oui, c'est vrai. Alors j'avais commencé à faire quoi? Moi j'avais commencé à escalader et tout. Je m'étais retrouvée je sais pas comment là où j'étais. En escaladant un peu le pied du dragon. Oh, il faut une monture ici. La monture devrait être autorisée. J'ai fait ça sans le vouloir.
C'est pas cool là, que la monture de Baudrier. C'est trop grand et en plus, bah, ce serait. Ça fait plus plaine maintenant. Bon, ruine quoi. Et ça fait pas vide. Là. Ah non, je suis montée là. Je suis montée au niveau de ses ailes ou je sais plus quoi. Oui, c'est ça. J'ai fait ça. Ah oui, je suis allée là après. I remember. Après, je fais saut. Ensuite. Ah, quelle idée aussi d'être allé crever là-bas. Ah bah il est revenu le machin. Chier. Je suis descendu. Je ne sais plus comment trop. Oh non mais je vais partir récupérer mes runes, ça me saoule. Cours pas sur un dragon. Même sur un dragon mort. Mais j'étais pas là, je l'ai fait plus proche. Où est-ce que je suis descendue? J'étais ici peut-être. Je me suis mise là, là. Ah oui, voilà. Je vais arriver, hein. Désolée, mais ça, c'est tout ça juste pour récupérer mes runes. Mais si, je sais pas ce que je dois foutre d'autre. Je vais le retuer parce que il va me gêner. Oui, c'est lui que j'ai tué. Bon, je crois en fait. Il me semble, hein. J'étais là, hein. Il y avait le truc derrière et tout. Attends. Comment il est beaucoup moins passif que l'autre? Ou alors on avait peut-être deux. Je vais m'éloigner. Il est trop foufou. Je suis descendue ici parce que c'était moins haut. On avait peut-être deux dans la zone et tout à l'heure je l'ai pas vu s'il respawn pas. Mais c'était bien la même zone en tout cas. Et après j'ai fait quoi? Je retrouve mes runes. Hein. Je disais à moitié le chat, je répondais à moitié, alors j'étais pas concentrée par où je suis partie. Ok, c'était là-bas. Ah oui, d'accord. Ok, ok. On y est presque, en espérant que mes runes soient pas, se soient pas mises sur un muret nul ou je ne sais quoi. Je ne sais quoi. C'est bon, elles sont là.
Ouais, depuis tout à l'heure, je fais pas grand chose. On a tué un mec, mais bon, c'était pas. C'était un petit boss, quoi. C'était un boss ouné. Ah oui, j'étais passé par là. Il faut que je pense. Je pense qu'il faut que j'aille là-bas. Donc, on va y aller. Et par là, ça semble être bien. Ça semble bien. Bon, j'ai déjà croisé le. J'ai déjà croisé Face de Soleil. Je regarde s'il si y a un truc, mais je pense pas. Ah, honnêtement. Où j'avais mis mon shield de par peur. Je vais peut-être le regretter. Mais bon, il n'y a pas de TP. Enfin, j'en ai pas trouvé dans le coin en tout cas. Ici, il y en a un. Non, voilà, si je monte, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Après, il y a ce. Ah, bah non, même pas. Toujours rien à faire ici. Bon. Ah oui, non, l'arbre il est là-bas. Ah oui, 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 c'est vrai. Mais ici c'est quoi? Ici je peux rien y faire. Je vais peut-être passer par là pour aller à l'arbre. Mais il n'y avait pas un TP dans l'arbre, devant l'arbre. Ah bah non. Mais si. Oh non, mais je suis dans les catacombes, merde. Ça m'emmerde de ouf. Ah mais je peux remonter peut-être facilement. Pas sûr, sûr. Mais c'est long. Dieu. Mais il respawn. Je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. C'est le mauvais bail de step ici. Où je me tire. Oh non, mais d'accord, mais le pire truc en fait, je suis là quoi, please. Horrible, horrible, horrible truc. Je t'entends pas. Je sais pas si tu me parles, mais j'entends rien. Quoi? Il répète pas. Pire truc, si j'avais su, je serais bien sûr pas allé ici. Ah voilà. Bon, allez, est-ce que je peux être à surface? Non, profondeur, merde. J'ai que des TP en, en souterrain dans cette putain de ville. Oh là là. Bon bah voilà, on va partir de là. On va tous taper à pied. Bon, c'est lourd. On va aller vers l'arbre, hein. Oh là 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 là. Mais je me suis sûr que j'en avais un à l'arbre.
peut-être passer par là. Pour remonter ensuite. On va voir. En tout cas, les torches sont toujours allumées. Elle est jolie cette pièce. Je sais pas si je l'avais déjà vue. Comment j'y vais ? Ça va être galère, je sens. Hein. Que si j'étais envoyé ici sûrement pour aller à l'arbre ou je ne sais quoi, parce que pour le moment j'ai rien foutu. Ah, faut peut-être que je retourne à... à mon lobby. Ça fait fort longtemps. Ah ouais, non mais d'accord. Les TP qui disparaissent dès que tu voles l'arbre, donc faut pas avoir un retour en ville. Mais en fait, je suis pas retourné, c'est le jeu qui m'a carrément foutu là. C'est pas que je... Voilà, oh. Mais j'imagine que si le jeu me met là, c'est qu'il y a une raison. En plus l'arbre brûle, donc je pense qu'il faut que j'y retourne quoi. Je pense. J'y connais rien en... J'y connais rien en prophétie comme ça, mais l'arbre il brûle, c'est ma faute, je me dis faut peut-être que j'y aille quoi. On sait rien, hein, moi je... Comme on est beaucoup aiguillé dans ce jeu, j'essaye des trucs. Mais à la base, j'avais pas besoin de retourner dans la ville, quoi. Si le jeu m'avait pas emmené là, je serais pas retourné. Bah, j'ai pas eu l'impression d'avoir besoin. Ouais, je pense que je pourrais peut-être ouvrir tantôt. Ah. 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 Enfin. Enfin. On va se poser dessus. En fait, j'avais pas besoin, je vais TP. Mais d'accord, à des points de TP qui ont disparu. C'est bien ce que je me disais, j'étais pas sûre. Je pensais que c'était mon esprit étrange qui fabulait tout ça, mais... C'était peut-être vrai, tout qu'on te fait. Bon, ça semble pas être la bonne idée. Je laisse la péter avec sa petite flèche, je lui mets un coup de masse. Je sais pas où je dois aller. Aucune idée de où je dois donc aller. Et je m'éloigne hein, de l'arbre. Hein. À part celui-là, peut-être reprendre celui-là. Les autres, faut les redécouvrir. Mmh. Ouais, c'est juste que je me disais, celui-là, je l'avais déjà, mais c'est bizarre parce que lui, il a même pas été... Il a même pas été brûlé ou quoi que ce soit, et pourtant, il fallait que je le redécouvre. On va faire un peu le toit, tiens. À voir. Maîtriser. Oui, moi, tout ça pour revenir là, en fait. Et après, si je vais là-bas, bah, ça va pas m'aider. Je pense. Hein.
On va voir si je peux aller par là. Il y a un truc à faire par là. J'avais déjà regardé ce qu'il me disait. Je cherchais un indice. Mais j'ai pas trop trouvé d'indice. On va aller voir la Basca. En tout cas, tous les trucs qui jouaient de la musique là, ils... Ça pète un peu moins avec leur trompette. Bon, je les aimais bien en vrai. Hein. Oh. Effectivement, faut que je redécouvre tout ça. Chant de l'arbre au monde. Imagine que c'est un truc qui demande la foi, ça encore. C'est un sort. J'en suis sûr. Énormément vos alliés proches et vous-même. Ah là où il y a un boss. Oh yes. Alors par contre j'ai pas mal de trucs je crois. Mais un peu. 94. Il me faut combien? Il me faut encore 53 000. Il me faut encore quasiment 60 000. On va utiliser les petits biscuits. Non, je vais en utiliser plusieurs. Comment ça se remet 8? C'est léger. Pas mal. Bon, on est bon. Voilà. Au moins là, je suis safe. On peut tenter un boss. On perdra 9000 runes. C'est ok. Moi, je pense que c'est ok. Bisous hanté. Très bonne nuit. Merci d'être resté un petit peu, c'est cool. On pose ça bien. Écoute, je sais pas ça, mais là, j'ai quelque chose qui fait mon intérêt, alors je vais regarder. Oui, je pourrais tout claquer, mais je verrai. Ah, c'est encore une babette. Non, c'est encore un être humain chelou. Ah, c'est une babette. It's been a long while, Morgoth. Ah, c'est Morgoth. Il a eu ça. Long and hard didst thou fight. Combattu avec fougue. Tarnished warrior. Brave sans éclat. Spurned by the grace of guerrière. Gold. Et qui se refuse. J'ai pas eu le temps de lire parce que j'étais pas concentré. Be assured. N'ayez crainte. The Elden Ring. Le cercle d'Elden est tout proche. C'est sûr que j'ai le temps de faire ça et tout et de faire d'autres trucs avant Malenia, hein. M'a dit oui, hein. Là, il y a un tronc dans le tronc. Alas, il a un esprit de fauve qui lui tient la taille. Returned. Cependant, je suis de retour.
pour obtenir une nouvelle audience. Bon, celui-là, il a l'air d'être un peu foufou et je me suis pas du tout équipée, j'ai pas du tout remis mon Kamehameha. On va voir. Upon my name as Godfrey. Au nom de Godfrey. The first, le premier seigneur d'Elden. C'est lui ? Action ! Nanini. Pouvoir magique. Attends, attends, attends. Ah. Il m'a bloqué. D'accord. On a affaire à un monsieur dont il faut garder avec lequel il faut garder les distances. Alors, est-ce que je changerais pas un petit peu mes sorts? Genre ça. Je le mettais pour tenter des trucs avec Malenia, machin, on verra. Malenia. On verra ça plus tard. Est-ce que je tenterai pas un Kamehameha's quelque part, un petit moment, histoire de voir coup-ci, coup-ça. Ça peut être intéressant. Ça, je pense que j'utiliserai pas. Je vais mettre un piou-piou moins foufou. J'ai grand fragment ou j'ai fragment, genre... Ça, c'est un peu rapide, ça. Peut-être tenter ça. Voilà. Ouais, on apprend, écoute, on découvre là le... Là, les échecs vont être nombreux parce qu'on va être en pleine découverte. Que voilà, moi je sais pas spécialement qu'est-ce qu'il faut que je privilégie avec un boss comme ça. On est en pleine découverte. On peut toujours tenter un gros buff au début. Là. Ah ouais, mince, c'est pas mis ma popo. Je vais voir déjà si c'est possible de placer mon Kamehameha. Ah ouais, c'est grave possible. Par contre, il est trop loin. Get to know. Oh punaise, par contre, il met tellement de temps à venir, je pourrais placer un Kamehameha de fou. Très très long. Oh, il y a trop moyen. Non. Je vais faire une connerie. Waouh, il est stylé. Je vais tenter un méga Kamehameha. Par contre, la musique elle s'en bat, hein. Ça peut être cool. Faudrait que. Faudrait que je change ma popo. Déjà. Mélange machin. Ignorer toute consommation de PC. Ah non, j'ai quand même la consommation de PC. Je vais pas faire dégâts subis, du coup je vais faire un truc qui va me faire un petit bonus au niveau des de la magie. Ça peut être bien. Je suppose. Je sais plus lequel c'est. Voilà. Ça peut être pas mal ça. Ensuite j'ai ça. Après j'ai ce sort là. Non, franchement un moyen. J'ai combien de boss lui la dernière fois pour en être déjà lui. De mémoire entre Maïkuk et... Ah bah je sais pas hein, moi, tout de suite après Malé machin, il m'a emmené là hein. Quand je l'ai tué, ça a fait... Ça a explosé. Au sol. J'ai croisé un type qui m'a dit « Tu ne passeras pas, tu ne seras jamais seigneur de l'Elden, machin, machin. » Je l'ai tué très vite, lui. C'était une sorte de petit boss. Et j'ai eu lui, maintenant. Mais bon, bah, je sais pas, j'ai fouillé un peu, après... Après, j'aurai sûrement pas tous les boss, hein.
C'est probable. Oh non, il met trop de temps. T'as vu ça un peu? C'est rigolo. C'est... Même si ça va être sa seconde phase qui va être affreuse. Et je vais être dans la merde, mais pas mal, hein. Kamehameha, il fait enfin mal. That will be all. Sir Golden, je sais pas, Gideon, oui, peut-être Gideon. Sir Rush. Professionnel. Ah, j'avoue, je peux le mettre. Professionnel. T'as fait juste avant, je crois. J'ai pas eu le temps de beaucoup le voir, je pensais que c'était vraiment un personnage anecdotique, mais c'est vrai qu'il y avait tout le délire d'un boss, quoi. Il y avait une petite cinématique et tout. Enfin non, il m'a parlé, je crois. Je sais pas s'il y avait une cinématique. Ou si je pouvais bouger pendant qu'il me parlait. Je m'en rappelle plus. Ok, il prend la puissance. Du fauve. Putain, c'est quoi ces frises là? Cette mascarade n'a que trop duré. Eh, franchement, on a commencé le combat il y a 10 secondes. Il ressemblait un peu à un chevalier, Sam, un peu rapide, et qui se healait beaucoup, comme un joueur. Comme s'il avait un peu un comportement de joueur, presque. Combat sous le nom d'Oralu. Guerrier. Oui, bah d'accord. Empêche que je t'ai éclaté. Oui, va m'éclater. Ouais, ça fait mal, ça je m'en doutais ça. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. Non, je vais tromper tout le monde. Je suis un peu deg. Ah, je suis morte. Tu le rencontres dans la tour. Ah ouais, c'était ça. Ouais, ouais, bah de toute façon, il y avait... Après, il y a un point de... Il y a un point de truc qui apparaît à cet endroit-là, pile poil. Ouais, ouais, je l'ai... Bah, il était... ici. Je crois. Ah ouais, c'est lui que j'ai eu. Dommage, j'ai raté. Merde. Comment il saoule? Il était mid-life, même plus. Ressemble à un chevalier un peu frêle, facile à battre, oui, complètement. Bah c'est ça, c'est que très franchement, bah les limites, les gargouilles étaient plus chiantes à battre que lui, quoi. Du coup, je pensais pas que c'était considéré comme un boss. Après, c'est vrai que j'ai eu le truc boss majeur vaincu, tout ça. Je me suis dit,
Ah, effectivement. Et ça fait apparaître un truc au milieu. Effectivement, il y avait un peu des barrages. Une porte comme ça derrière lui qui a disparu. Donc je me suis dit, bah oui, effectivement, c'était un boss, le petit go. J'ai fait un peu trop tard, je pense. Il fait très personnage de Versus Fighter, je trouve. Genre de Street Fighter, de je sais pas, de Tekken. J'avais pas le timing. Non, il est pas du tout optionnel. Ouais, je m'en doute parce que vu qu'il dit qu'il va t'empêcher de devenir. Ouais, au Rendel Elden, je me dis bien que je pense qu'il est obligatoire, ouais. J'avais été super étonnée, il est super facile par rapport à tous ceux qu'on a avant. Ouais, grave. Mais ça, voilà, t'as une sensation de puissance qui n'est pas dégueulasse, du coup, quand tu te retrouves face à lui. Faut l'avouer. Qui n'est pas, pas désagréable. Non, je vais tromper. Bon, c'est pas grave, faut que je me dépêche. Non, je me suis trompée, te sort. Oh, je me déteste. Moi, je peux pas bouger, je suis en animation. Oh là là, je l'ai fait en sans faute tout à l'heure. Je l'ai fait, là j'ai déconné, j'ai inversé mes trucs. Bon, la première phase, je peux la passer en une seconde, c'est cool. La seconde, bah peut-être que je peux y arriver ce soir, je sais pas, on va voir. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas. Ketrar, merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends, j'ai. Merci pour le raid. C'est très gentil. Et si vous êtes beau, c'est très sympa, merci beaucoup. Attendez. Damn, attendez, j'ai oublié les touches. Comme ça. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Ah, il a trop avancé, je pense déjà. Voilà. Découverte de Jurassic World Evolution 2. Oh, d'accord. T'avais jamais test. Alors t'en penses quoi? Moi je suis un peu mitigée parce que j'aime bien ces jeux. Remarque, tu vas peut-être aller te coucher en fait. Je me mets dans 3h30. Ok, ça marche. J'irai voir le replay si je veux faire ton avis. Va te coucher très vite. Service. Des bisous. Sera. Merci beaucoup, merci pour le raid et merci à vous tous et toutes. Alors j'ai bien aimé, ok. Ça marche. Ouais, en fait il le tue, ouais. C'est terrible, j'avais pas fait gaffe tout à l'heure, je vous le disais. Des bisous, très bonne nuit, très bonne soirée. Bon courage pour demain. Pour tout à l'heure. Kinyon Fenir nous pétait vraiment les organes depuis la table ronde avec ses insinuations. Vous savez que Gideon ou Gideon, j'en ai entendu parler. Mais j'avoue que le lore, j'ai tellement impigé que. Ok. Non, ça fait trop mal ça. Ça va peut-être me tuer. Faut que je me casse. Oh, il y avait un poteau. Qu'est-ce que c'est que ce vendu de merde? Non, je suis tombée. En fait, voilà. On va pouvoir le.
Non, je suis morte. Ouais. Dommage, hein. T'as vu? Attendez, un truc épique. Pas juste secouer un peu. Oui, c'est vrai. Surtout après Malikat, là, je sais pas quoi, effectivement, il paraît vraiment très simple. C'est lui qui était au bureau isolé. Ah, d'accord. J'avoue que je fais pas gaffe à leur nom à chaque fois. Oui, d'accord, effectivement. Je vois. Oh, c'est vrai qu'il se la pète de fou, lui. Ah ouais, 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 si, je me rappelle. Je crois que j'ai pas du tout fait ce qu'il voulait que je fasse, d'ailleurs. Oh là là, le toit qui met. Je sais pas comment j'ai fait tout à l'heure pour avoir le bon timing. La première fois où j'ai testé, j'ai eu le parfait timing où j'ai pu faire ça en une seule phase. Et là, enfin en une seule fois où j'ai pu avoir toute une phase comme ça. Là, je sais pas, j'y arrive plus. Puis ensuite, t'es dit, on sait tous que c'est moi qui vais monter sur le trône. Et si tu veux, tu pourras être mon bras droit. Ça, je me rappelle pas, j'ai peut-être même pas parlé entre temps. Ah, ça dépend de ses phases en fait. Putain, pourtant j'esquive, hein. Non, je suis morte. Ah, ça va, c'est pas le pire. J'arrive pas à le viser en fait, il bouge tellement vite que après là, dès qu'il réapparaît, je n'arrive pas à le viser. Parce qu'il est très proche de moi aussi, c'est le problème en le tuant avec cette technique là, c'est qu'il est tellement proche dès qu'il spawn qu'il peut me marave très vite. Peut-être pas plus mal que j'aille pas jusqu'au bout avec mon Kamehameha, que je m'éloigne. Et que je le tue de loin. Peut-être worse, hein. Non mais... J'ai esquivé, putain. Ça fait tellement mal, ça. Non, là je suis morte. Ah. Chaque fois qu'il saute, je perds son aggro, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas l'aggro, je perds le focus de mon perso sur le boss.
J'ai pas eu le temps. Il va être chiant, mais ça va être faisable. C'est Godfrey. Oui, je sais, oui. Ouais, ouais, ça, il me l'a dit, oui. Bah, il s'appelait Godfrey en première phase. Le père de Nefalugu. Nana qui t'aide à un moment, enfin, le premier tiers du jeu. Fais des quêtes avec toi, elle te donne une cendre de faucon. Fait trop longtemps. Je t'avoue, là, j'ai pas la ref, là. Ah, il suffit une potion à lui donner, ouais. Ça, ça me dit quelque chose, ouais. Petite futée, hein. Non, je vois même pas vous. Ça va. Ah, j'ai voulu esquiver mon moment. Tu lui as pas donné pour pas la tuer, mais ensuite tu la retrouves tout en bas de la table ronde dans le couloir, déprimée totalement. Alors préférerait qu'on la tue. Putain, si elle veut se tuer, elle est assez grande pour le faire, hein. Dis donc. Beaucoup me demandaient ça, hein. Gideon, le père adoptif et Aura machin. Ah d'accord. Non, j'ai esquivé, c'est pas vrai. J'ai esquivé. Non, mais ça va pas dur. Là, c'est compliqué, là. C'est Gide Siris, merci beaucoup pour le raid. Merci pour le raid. Tout de suite, un chat qui pop. Ça le fait avec l'écho? Attendez. Je sais pas si ça fait un vrai effet. J'ai pas l'impression. Hey! Je me dis, ok, on vient de tuer les deux papas. Elle va nous tomber dessus, mais non, même pas. On la revoit pas. Oui, bah après, hein. Moi, je l'ai pas encore tué, hein, mon père. Bon! Il est pas si dur ce boss, mais bon, il me faut. Voilà, il me faut un petit peu de temps. Je vais l'avouer. Là, mince, la popo, vite. Oh non, mais c'est pas cool. Oh le relou. Faut que je me heal tout de suite. Faut que je prenne pas besoin de mana tout de suite.
cool, pas cool, dude. Ça aussi, ça me tue, quoi. Ça peut arrêter de d'enlever le focus, là ? Oh, j'ai esquivé pourtant. Ça m'énerve, la visée qui s'enlève toute seule constamment, là. Je leur courage, merci Dilo, des bisous. Enfin, je peux... Mais oui, et puis c'est parce que le focus s'enlève et qu'il se tourne tout de suite et que ton perso, bah, il sait jamais où taper, donc il est un peu nulos. C'est con, je l'avais, là. C'est con, c'est con. Bon, ça fait pas encore trop d'essais, alors ça va, mais j'y croyais, là, j'ai encore... J'avais la pression, là. Mince. Ah oui, d'accord. Il marche très longtemps là. Putain, c'était pour esquiver, au final j'esquive rien. Non, je me suis trompé de sort. Tu saoules, toi. Donne-moi ton autre phase. Non, j'ai pas le temps. Je sais pas si je vais survivre à ça. Non. Merci, c'est gentil, Sam. C'est gentil de ton encouragement. J'avais tout, mais voilà, j'ai un tout petit peu green, mais là, c'était vraiment un HP, je veux dire, je le touchais avec ma... avec une babouche, ça le tuait. Donc ça se comprend, ce mini-grid. Non, mais il est pas... Voilà, franchement, on n'a pas encore fait Malenia. Alors... Alors on a peut-être pas en... Voilà. Il peut pas choper si on roule entre ses jambes. Ouais, mais vu que je suis toujours un tout... Enfin, j'essaie toujours un peu à distance, j'ai peur de juste être trop proche de lui. Ouais, c'est vrai que la visée de la deuxième phase, elle est pas cool, hein. Faut l'admettre. Toujours avoir une babouche à lancer. J'ai tenté, j'aurais pas dû. Non, j'ai esquivé de mauvais rythme, j'ai pas encore le rythme de quand il fait ça. Ah là là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va y arriver. On va y arriver. Ça va être super. Ah ouais, je fais mon Kamehameha. Là c'est le build Kamehameha, complètement. Ah c'est le... C'est quand même le gros build qui est que t'as en endgame qui est sympa. Mais il est...
situationnel en fonction du boss et de sa face, quoi. Et ça demande un peu de préparation. Je fais un peu trop tôt, peut-être. Quoique non, non, ça va. Non, là j'ai esquivé, ça me dégoûte. Dégage. Un moyen de me heal. Non, c'est pas le moment. Ça va. Ouh, j'ai peur. Tu regardes même pas mourir. C'est ça la classe. Professionnel. Tu garderais pas la popo en P2? Alors la popo, parfait, merci. La popo, pour expliquer, c'est celle qui me permet d'avoir une ignorance de ma mana, de la consommation de ma mana. C'est pour ça que j'apprends en phase 1. Ça me fait un boost d'intel et ignorance de la consommation de la mana pendant 10 secondes. Du coup, pour mon Kamehameha qui me demande tellement de mana que je pourrais pas du tout le faire aussi longtemps. C'est et ben voilà. C'est Lox la meilleure. Oh, ça on le savait. Merci. Oh punaise. Effectivement, par rapport à des boss précédents qu'on a connus, ça fait plaisir de voir des trucs où. Où ça gère un peu. Ça fait du bien. Ouh le loup. Bon, par contre, j'ai peur d'aller à la suite. Mais on m'a dit, t'as le temps. Alors, je pense que le jeu, il me dira, c'est définitif, attention, on pourrait pas revenir en arrière. J'ai peur que ce soit définitif, là, quand même. Bonjour, bonjour. Envy, c'est définitif, là? Bonjour. Ce sera pas définitif, hein. Et c'est juste à la fin de la P1. Ah ouais. Ah c'est pas con. Bah c'est vrai que moi vu je préfère. En fait je devrais avoir un peu l'effet de la P1 la popo sur moi. Si je faisais la P1 parfaitement, je pourrais l'avoir encore un peu. Nope, ok. Pas bu de café et du coup du café c'est chelou. Ah oui j'avoue c'est chelou. Après si t'as mangé un truc à base de sucre, de caramel, ça peut. Ah non, une Malenia bis. Oh, je sens elle va être trop dure. Si c'est une boss. J'espère que c'est pas une boss. J'ai envie d'être copine avec elle. Ça va être ma copine. Ah, retrouve la couleur de ses cheveux. Moi aussi, ça va m'arriver. Ah, mais c'est pas une femme. Je pensais que c'était une femme. J'ai envie de l'appeler madame. Oh.
C'est beaucoup trop classe, je veux pas tuer, je veux pas te tuer. Tintin. Avec la musique, comment ça défonce. Quel kiff. Oh, le combat est trop stylé. J'ai 1 milliard de runes. J'ai 1 milliard de runes. Faut que je récupère mes runes, que je me fasse un petit... Je vais aller les récupérer et mourir. Parce que là, faut pas déconner. J'avoue que si je suis allé en mandiolo, j'aurais pas dû. C'est ma faute. On va faire ça, on va faire ça. J'ai un peu peur, mais on va faire ça. C'est dans mes équipements. À la place de talisman. À la place de celui-là, faut mettre une petite branche. J'en ai plus que deux, hein. Bien ça, hein. J'ai arrêté à lui, j'ai pas battu. C'est un maligne après en train de dépasser. De me dépasser s'il va finir le jeu sans devant. Avant moi. Ah bah écoute, moi j'ai. Voilà, je l'ai jamais désinstallé, j'ai toujours un petit peu essayé d'y rejouer tout ça. Toi tu es dans un mood où pour le moment c'est une grosse pause. Mais moi j'ai peur des grosses pauses parce que après t'oublies comment jouer, t'oublies où t'en étais. Et c'est pas top. Elle est où? Elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? Voilà. Je suis rassurée. On va quand même essayer de le battre. Essayer de comprendre comment esquiver, ce serait bien déjà. J'ai pas encore compris. Une perle aussi qui te permet de pas perdre tes runes, ça coûte moins cher que les branches. Ah d'accord. Du coup, toi, t'as fait Malenia avant. Merci, hein, la branche. C'est super gentil, la branche. Moi, je veux un truc qui augmente, je crois. Truc de mes sorcelleries, voilà. La durée, les effets de mes incantations. Oh, de mes sorcelleries, les incantations. Là, franchement, c'est peut-être pas ouf, la durée des effets. Hein. Peut-être limite mettre ça, hein. Faut que tu qui restaure les points de... C'est plus intéressant, en vrai. Parce que les effets de mes incantations et tout, bah en fait, c'est pas pour ce que je fais. Bon, de toute façon, je vais rechanger sûrement mes talismans. Je l'ai fait avant de cramer l'arbre. Ah, d'accord. Ok. Je vais arrêter ici la VOD. Des bisous, VOD. Bonne nuit. Bisous.